Ces personnalités attentives à l'exposé de Hans Landry-Ivala sont des opérateurs économiques. Aujourd'hui, nous étions avec le SIMPEX, le syndicat des importateurs et des exportateurs du Gabon, et le SINDUSTRIGAB, le syndicat des industriels du Gabon. Il semble avoir bien cerné les contours des nouvelles dispositions des politiques d'accompagnement dans l'insertion des jeunes dans le monde du travail. L'emploi des jeunes en particulier et des moins jeunes est une préoccupation pour le secteur privé et pour les pouvoirs publics naturellement. Donc il était important pour nous d'être édifiés sur les changements qu'il y a dans les dispositifs actuellement en vigueur. Mais aussi, il y a une valorisation de la fonction des DRH qui était présente dans cette réunion, puisque monsieur le directeur de l'ONE a tenu à leur préciser qu'ils auraient un rôle très important à jouer, et je pense que le rôle du DRH dans les sociétés s'en trouve d'autant plus mis en valeur. Jusque-là, on travaillait avec le contrat CAIJ, qui nous a donné satisfaction au niveau de Sorvaga. Mais actuellement, il y a d'autres possibilités qui nous permettront de continuer à faire en sorte qu'on puisse continuer à évoluer et à insérer les jeunes. Pourquoi cet accent mis sur le CAIJ ? Le CAIJ est le dispositif phare qui a été codifié désormais dans le Code du travail. Le souci du gouvernement était de pérenniser quelque chose qui fonctionne. Il faut maintenant lui donner un peu plus de punch, aller un peu plus vite, puisqu'il s'agit de toucher tous les secteurs d'activité. C'est pour ça que les entreprises qui ont déjà mis en œuvre ce dispositif, quand on les rencontre, se demandent mais quel va devenir le CAIJ, quelles sont les spécificités de ce contrat professionnalisation, qu'est-ce qui change réellement, et on les rassure. Il va sans dire que pour des impératifs d'une économie en transition, d'un modèle rentier à un modèle productif et créateur de richesses par la transformation des ressources naturelles, les autorités gabonaises ont opté pour un certain nombre d'instruments en vue d'un accompagnement vers l'employabilité et l'emploi des jeunes.